Tu savais que derrière moi, tu peux imprimer ta tête sur des M&M's? Oh, l'audace! Je vais prendre un panier parce que je sens que je vais me ruiner. Cette boutique M&M's est sur 3 étages, il y a énormément de monde. Parce qu'en même temps, c'est le truc à faire quand tu viens à New York, près de Times Square. Il y a des brownies chocolat M&M's. Ça donne trop envie, il y a même des popcorn. Et beaucoup de produits dérivés comme des porte-monnaies, des coussins qui sont trop mignons. Il y a même des vêtements et plein de choses en fait en fonction de chaque couleur, chaque personnage des M&M's. Marron, vert, bleu, orange, il y en a pour tous les goûts. Je me prends un petit t-shirt et direction le 2e étage. Quand t'arrives, il y a un photocall, tu peux faire tes vidéos, tes photos tranquillement. Et là, j'ai jamais vu ça de ma vie, il y a des M&M's pastels. En France, on a seulement ces couleurs-là. Mais ici, il y a une multitude de choix de couleurs. C'est vraiment trop beau, il faut absolument que je goûte les couleurs qu'on n'a pas en France. Alors, je prends un sachet, je prends du bleu turquoise. Oups, j'en ai trop mis, faut faire attention parce que ça coûte quand même un peu cher vu que c'est au poids. Bien sûr, les couleurs sont trop belles, donc ça donne trop envie et tu t'arrêtes plus. Mais arrivé le moment de peser sur la balance, ça peut vite faire cher. Et pour ce petit sachet, j'en ai eu pour 20$. Je sais que tu attends ce moment, direction le 3e étage pour personnaliser. Quand t'arrives, il y a une petite borne. En gros, tu mets tout ce que tu veux. Malheureusement, cette fois-ci, j'ai pas pu mettre ma tête, mais j'ai quand même écrit mon nom et mon prénom. Il y a un petit ticket qui te sort. La dame va le scanner. Et cette machine va imprimer sur chaque bonbon ce que tu auras choisi. Et regardez comment c'est super satisfaisant. Et franchement, ça rend super bien. Je me suis ruinée, je crois que j'ai un petit peu abusé. On va tout goûter dans ma prochaine vidéo.